Bonjour, je m'appelle Daniel Marcelin. Mon âge n'intéressera personne. Sachez que je suis suffisamment âgé pour avoir de l'expérience dans de nombreux domaines et suffisamment jeune pour absorber comme une éponge les nouvelles technologies. En fait, je suis un autoconstructeur autodidacte. Mon domaine de prédilection est la construction d'habitations. J'ai construit il y a quelques années ma maison de mes propres mains sans avoir d'aptitude particulière, et je connais le désarroi que l'on peut ressentir devant l'ouvrage à accomplir lorsqu'on est seul. Depuis, j'ai réalisé d'autres constructions dans le cercle familial, ce qui m'a permis de créer un blog, bâtir sa maison, overblog.com, et une chaîne YouTube intitulée Daniel Marcelin, dans lesquelles, sans avoir la prétention de délivrer des conseils techniques de construction, je démontre par quelques articles et vidéos simplement ma façon de procéder, ceci afin d'aider les personnes qui, comme moi, par nécessité économique, ne peuvent pas se permettre d'avoir recours à des professionnels et qui, de ce fait, se lancent dans cette aventure formidable qu'est l'autoconstruction, la rénovation ou l'amélioration de l'habitat. Tout ce contenu est bien entendu gratuit. J'ai depuis peu été initié par un proche au dessin et à la création d'images en trois dimensions grâce à un petit logiciel gratuit qui s'appelle SketchUp. Cet outil est formidable car il me permet de créer des petits tutoriels virtuels dans divers domaines de la construction et donc de créer des modèles d'outils virtuels personnalisés mais ressemblant à la réalité. Toujours dans le même but, l'entraide. Ces modèles d'outils sont très prisés et attendus notamment par des étudiants pour illustrer leur mémoire de stage ou autre, car ils demandent un investissement de temps considérable pour leur création. Alors pourquoi aujourd'hui m'inscrire sur Tipeee? Simplement pour avoir des moyens pour continuer dans cette voie, pour me permettre peut-être d'acheter des logiciels à commencer par SketchUp Pro, qui est payant. Une caméra et des moyens d'enregistrement audio, car vous constaterez à la lecture de cette vidéo que, hormis l'accent auquel je ne peux guère remédier, l'audio n'est pas top. Et surtout, pour recevoir des encouragements, car cela nécessite vraiment beaucoup de temps et d'investissement. Je pourrais certainement ainsi répondre à des demandes de tutoriels ou de création d'objets et d'outils virtuels spécifiques. Quelle que soit la hauteur du type, il représentera une pierre apportée à l'édifice et représentera pour moi un mécénat valorisant et encourageant. Quoi qu'il en soit, je remercie par avance tous ceux qui voudront bien ou auront la possibilité de participer et tous ceux qui me suivent sur mon blog et ma chaîne YouTube. Si vous désirez me soutenir, cliquez sur le lien tipeee.com Daniel Marcelin que vous trouverez dans le cadre de la description de la vidéo ci-dessous. Merci.